C'est toujours un plaisir de vous présenter le journal en version française sur TV Plus Madagascar. Bienvenue à tous. Tout de suite, les titres. Ouverture de deux centres de traitement de la COVID-19, respectivement à Soamanjakzei et à Nkurunjan, ce jour par le président de la République, Andry Zouil. Il annonce également l'ouverture dès ce soir des hôtels médicalisés chez Tsanga Tsanga Hotel à Saralalan et au Live Hotel Andavamamb. D'autres établissements hôpitaux hôteliers ouvriront bientôt. Des hôtels dans le premier arrondissement sont désormais ouverts pour accueillir les malades de la COVID-19. Ce sont les malades présentant la forme modérée qui seront reçus sur place. Les infrastructures ainsi que le personnel de l'hôtel et les personnels de santé sont prêts à recevoir les malades. Le nombre de cas confirmés de ruminants atteints de la fièvre de la vallée du Rift ou FVR ne cesse d'augmenter d'après le ministère de l'élevage. 1634 cas confirmés ont été enregistrés, dont plus de 60% sont localisés dans la région de Vatoura-Vivit-Vinani. Pour terminer, au lendemain de la décision de l'Iran d'enrichir son uranium à hauteur de 60%, et quelques jours après une explosion dans l'une de ses usines d'enrichissement, les discussions pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien reprennent ce jeudi dans un contexte tendu. À la une des actualités, donc, inauguration de deux centres de traitement de la COVID-19, respectivement à Soamanjakzei et à Nkurunjan, ce jour par le président de la République, Andry Zouil. Il annonce également l'ouverture dès ce soir des hôtels médicalisés chez Tsanga Tsanga Hotel à Tsarlalan et au Live Hotel d'Andavamamb. Des autres établissements, hôteliers, hôpitaux ouvriront bientôt. Lors de son allocution, le président n'a pas manqué de rappeler que tous les médicaments pour le traitement de la COVID-19 sont gratuits, notamment le Lovenox. Andry Zouil parle d'une importation de bouteilles d'oxygène pour subvenir aux besoins de 2000 patients supplémentaires, rajoutés aux 2400 concentrateurs d'oxygène déjà existants pour rassurer l'opinion publique face à la spéculation de vente d'oxygène médical, déjà une réalité sur le terrain. Ifrasata. Les nouveaux CTC-19 se situent donc à l'EPP de Soamanjakzei au stade à Kurunjan. Entièrement équipés, ils pourront désormais accueillir des malades. L'État a le devoir de trouver une solution face à la crise sanitaire actuelle, raison pour laquelle nous avons ouvert ces centres, justifié Andry Zouil, président de la République, lors de l'inauguration du CTC-19 à Soamanjakzei, a un appui de plus dans l'accueil et la prise en charge des patients face à la recrudescence exponentielle du nombre de personnes contaminées par le coronavirus. En seulement 48 heures, 859 nouveaux cas ont été enregistrés, a rapporté le président de la République. L'État et le ministère de la Santé publique ne prennent pas le rôle à la légère face à cette situation, poursuit-il. D'autres stratégies ont donc été mises en place, à savoir les hôpitaux, hôtels ou hôtels médicalisés. Plusieurs établissements hôteliers ont accepté de négocier avec l'État pour transformer leur établissement en centre de traitement. Ainsi, les hôtels médicalisés de Tsanga Tsanga Hotel à Tsarlalan et de Live Hotel Andavamamb commenceront à accueillir des malades dès ce soir. Ce samedi, le Pavé Antanarin et Anzari Hotel à Tsarlalan ouvriront également. L'hôtel de Tana à Anous fait partie de ceux qui ont également accepté la négociation. Le traitement, l'équipement et le personnel sont entièrement pris en charge par l'État. Le frais de séjour est par contre à la charge du patient, selon les explications. Toutes catégories de personnes peuvent se faire soigner dans ces locaux, rassure le président.
Lors de son allocution, il n'a pas manqué de rappeler que tous les médicaments pour le traitement de la COVID-19 sont gratuits, notamment l'anticoagulant Lovenox. Je ne tolère point que certains profitent de la crise sanitaire pour détourner les médicaments ou encore extirper de l'argent aux patients pour des traitements qui leur sont pourtant livrés gratuitement, met-il en garde. Il s'est adressé personnellement au ministre de la Santé publique pour contrôler ces abus. À part cela, Al-Razuel parle aussi d'une importation de bouteilles d'oxygène pour subvenir aux besoins de 2000 patients. Elles sont rajoutées aux 2400 concentrateurs d'oxygène déjà existants pour rassurer l'opinion publique face à la spéculation de vente d'oxygène médical qui va en bon train actuellement. Les séances de sensibilisation effectuées par les agents communautaires, les responsables des Fouctagne ainsi que les bénévoles reprennent leur cours dans la capitale face à la recrudescence des cas de personnes atteintes du coronavirus et surtout face à l'entêtement de certains habitants à minimiser les gestes barrières dans les Fouctagne. Ils suggèrent l'application de règlements conçus, admis et appliqués par la société ou Dinapuknul à l'encontre de ceux qui refusent de se conformer aux consignes de riposte anti-Covid. L'atelier d'évaluation de l'intervention communautaire dans la lutte contre la COVID-19 dans la capitale a eu lieu ce jour. L'année dernière, 68 Fouctins dans la capitale avaient bénéficié de séances de sensibilisation sur le port de masques et le respect des gestes barrières par les agents communautaires avec l'aide des responsables de Fouctins et des bénévoles. Ces derniers avaient également collaboré avec des résidents pouvant les aider au financement d'aides à attribuer aux vulnérables dans leur quartier, notamment la distribution de masques. Toutefois, ces agents n'ont reçu aucune rémunération, mais se sont volontairement engagés dans ce projet. Face à la recrudescence de la pandémie du coronavirus actuellement, l'organisme ASOS appelle ses agents communautaires à renforcer leur intervention dans les quartiers, surtout face à l'entêtement de certains citoyens, à ne pas respecter les gestes barrières malgré la gravité de la situation actuelle. Ainsi, ces agents communautaires et responsables des Fouctins de la capitale ont été convoqués par l'ONG ASOS et ses partenaires ce jour pour réaliser ce nouveau projet. Des changements de tactique seraient nécessaires dans le cadre des interventions. En effet, aussi bizarre que cela puisse paraître, la plupart des habitants des quartiers de la capitale refusent encore d'admettre l'existence de cette maladie. Ces agents suggèrent la mise en place de règlements gérés et appliqués par la société comme le Dinapuknul afin de sanctionner ceux qui ne respectent pas les consignes de protection. L'atelier d'évaluation de l'intervention communautaire dans la lutte contre la COVID-19 dans la capitale a eu lieu ce jour. Des hôtels dans le premier arrondissement de la capitale sont donc transformés en établissements hospitaliers et sont désormais ouverts pour accueillir les malades de la COVID-19. Pour cet hôtel ici à Ndavamamb, ce sont les malades présentant la forme modérée qui seront reçus sur place. Les infrastructures sont au complet. Le personnel de l'hôtel ainsi que les personnels de santé sont déjà prêts à recevoir ces malades. Comme annoncé en Conseil des ministres hier, de nombreux hôtels dans la capitale ont accepté de se transformer pour recevoir des patients atteints de coronavirus. Des critères ont été requis et le Live Hotel d'Ndavamamb fait partie de ceux qui ont répondu favorablement. L'hôtel a en effet la capacité de recevoir une cinquantaine de patients. Pour cet hôtel Ndavamamb, ce sont les malades ayant la forme modérée qui seront pris en charge sur place. Les infrastructures étant au complet, le personnel de l'hôtel et les personnels de santé sont également prêts à recevoir ces malades. Au total, on compte 37 chambres dans des bungalows qui sont tous équipés et prêts pour accueillir les patients atteints de COVID-19. Des concentrateurs d'oxygène y sont déjà installés. Si les frais de soins et de traitement de tous les malades, d'une part, sont pris en charge par le ministère de la Santé publique, le repas et l'hébergement, d'autre part, reviennent à la charge du patient. La nuitée est facturée à 80 000 ariars, repas en sus. Cet hébergement et réception des malades de la COVID-19
et leur contribution à envers les compatriotes, surtout en ces temps difficiles de pandémie, selon les responsables de l'hôtel. Dans un tout autre sujet, le nombre de cas confirmés de ruminants atteints de la fièvre de la vallée du Rift, ou FVR, ne cesse d'augmenter d'après le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. 1634 cas confirmés ont été enregistrés, dont plus de 60% sont localisés dans la région de Vatova, Vifidfnan. De nouveaux cas de FVR dans la région d'Atsnanan ont même été signalés, outre l'envoi de laboratins, de vétérinaires ainsi que de médicaments nécessaires. Madagascar prévoit aussi l'importation de vaccins contre la fièvre de la vallée du Rift d'après les précisions de ce jour. Mamtina Jemploul, Omega Khanefson. La région d'Atsnan, plus précisément le district de Nusuvak, vient récemment d'être signalé comme étant région recensant des cas de fièvre de la vallée du Rift, ou FVR, affirme le ministère de l'Agriculture. 19 cas ont été signalés avec des décès de ruminants. Ainsi, 4 régions de Madagascar sont touchées par la FVR, dont Diana, Antsimandjifn, Atsnanan et Vatova Fitvnan, laquelle recense le plus grand nombre de cas. D'après les dernières statistiques, le nombre de cas confirmés de FVR atteint actuellement les 1634, si auparavant le nombre de cas enregistrés ne dépassait pas les 576. Jusqu'ici, la région de Vatova Fitvnan enregistre le plus de cas de FVR, qui représente 60 à 70% des cas confirmés. En effet, de nouvelles souches de cette maladie qui touche les bovidés et les petits ruminants se sont avérées plus virulentes et se trouvent variées avec des microbes bactériennes et donc plus mortelles et se propagent rapidement. Toutefois, des tests sont en cours pour en déterminer les détails, précise le directeur général de l'élevage. Laborantins, techniciens et vétérinaires sont donc dépêchés dans ces régions pour des prélèvements afin de pouvoir fabriquer les vaccins adéquats. Malgré cela, des mesures d'urgence ont été lancées dans les 4 régions. Des médicaments, dont des antiparasites, des vitamines et des kits de protection ont déjà été expédiés dans ces régions. Madagascar prévoit également l'importation de vaccins afin d'endiguer la propagation de la FVR. En outre, le transport des bovidés et des petits ruminants au départ de ces 4 régions reste strictement interdit. Des contrôles sont effectués au niveau des routes nationales pour empêcher ces transports. Le ministère doit mentionner que jusqu'à présent, aucun cas de transmission de la FVR aux humains n'a été signalé. Actualité politique pour continuer notre édition. Tel qu'il est stipulé dans l'article 71 de la Constitution, les parlementaires condamnés ou décédés sont remplacés d'office par leur seconde liste, tandis que les députés nommés membres du gouvernement sont remplacés par leur suppléant. C'est la Haute Cour constitutionnelle qui rendra le verdict de la prise de service du remplaçant. On écoute tout de suite les commentaires de Zuhra Barton. Rappelons que 2 députés de cette mandature ont été désignés membres du gouvernement. Ils sont donc remplacés par leurs suppléants qui ne sont autres que les 3e liste lors de la candidature et qui prendront leur poste après avis de la Haute Cour constitutionnelle. Pour plus de précision, le suppléant prend la place d'un député de manière provisoire, puisque les titulaires peuvent reprendre leur poste à l'Assemblée nationale lorsqu'ils sont abrogés de leur fonction de ministre. Selon l'article 71 de la Constitution, le député nommé membre du gouvernement est suspendu d'office de son mandat. Mais dans d'autres cas, comme par exemple celui des députés décédés ou condamnés, ils sont remplacés d'office par leur second de la liste lors des législatives selon le code électoral. Dans cette mandature, 3 députés sont décédés depuis l'année dernière et les 2 sont déjà remplacés par leur 2e liste. En outre, 2 députés ont été condamnés par le tribunal et leur 2e liste a déjà pris leur siège à l'Assemblée nationale. C'est à la Haute Cour constitutionnelle que revient la déclaration de la vacance de poste à l'Assemblée nationale ainsi que le verdict de notification de remplacement de siège dans la Chambre basse. Le nouveau député de Managar devra ainsi attendre l'arrêt de la Haute Cour constitutionnelle pour pouvoir siéger à la prochaine session ordinaire du mois de mai des parlementaires.
Actualité internationale afin de terminer cette édition au lendemain de la décision de l'Iran d'enrichir son uranium à hauteur de 60% et quelques jours après une explosion dans l'une de ses usines d'enrichissement, les discussions pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien reprennent jeudi dans un contexte tendu. France 24. Alors, il s'agit d'une réunion de la commission mixte entre les pays encore signataires de l'accord sur le nucléaire iranien et elle vient tout juste de se terminer. On attend désormais les réactions. Une réunion qui s'est déroulée, vous l'avez dit, dans un contexte tendu, bien différent de la semaine dernière, où les différentes parties soulignaient des discussions constructives, car entre-temps, l'Iran a annoncé sa volonté d'enrichir l'uranium à 60%. L'Agence internationale de l'énergie atomique qui surveille le programme nucléaire iranien a d'ailleurs confirmé hier soir que Téhéran avait quasiment terminé les préparatifs pour commencer à produire de l'uranium enrichi à 60%. Alors pour l'Iran, cette décision est une réponse, vous l'avez dit, après l'explosion survenue dimanche dernier dans l'usine d'enrichissement de Natanz. Et Téhéran accuse ouvertement Israël d'avoir saboté cette usine. Face aux inquiétudes exprimées par les Européens et les Américains, le président iranien Hassan Rouhani s'est voulu rassurant, affirmant que les activités nucléaires de l'Iran étaient pacifiques et que le pays ne cherchait pas à obtenir la bombe atomique. Mais cette annonce représente une nouvelle violation de l'accord de 2015. Téhéran, on le rappelle, s'est progressivement affranchi de ses engagements en réponse au retrait américain de l'accord en 2018. Et il exige désormais une levée des sanctions américaines pour se conformer de nouveau à l'accord. Tout l'enjeu, c'est donc de définir une feuille de route qui soit acceptée par les deux parties, mais ce travail sera long car il est complexe. Tout le monde a toutefois en tête l'échéance de l'élection présidentielle iranienne qui se tiendra en juin prochain. C'est ce qui met fin à notre édition. Très bonne soirée à tous, toujours en compagnie de TV Plus Madagascar.